La grande édition du journal sur ActuTron Télévision, fidèles téléspectateurs, merci à vous de nous rejoindre. Au sommaire, mardi 13 septembre, 3 mois jour pour jour depuis l'occupation des Bunagana par les forces étrangères, 3 mois depuis que les M23 et ses alliés ont installé leur administration sur le sol pourtant congolais. Akwamutu dans les mines d'Ombé, la paix n'est pas encore totalement rétablie. Tour dans ces journaux sur la situation des populations déplacées. Et puis en international, le Kenya a un nouveau chef d'État. Qui est-il? D'où vient-il? Et pourquoi son élection inquiète? Toutes ces réponses à suivre dans ces journaux. Une fois de plus, bienvenue à vous. 13 juin 2022, 13 septembre 2022, 3 mois déjà depuis l'occupation de Bunagana. On le sait, au lancement de leur rébellion en 2012, le troupe du M23 avec à la tête Makenga Sultani avait déjà pris le contrôle de la cité de Bunagana en passant par les collines de Runyoni et Tchanzu. La conquête de cette partie du territoire congolais était partie de Sabinio au croisement des frontières entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. La prise de la cité frontalière de Bunagana avait alors poussé la communauté internationale à appeler en juillet 2012 à des négociations entre le gouvernement et ses mouvements rebelles sous la médiation de la conférence internationale pour la région de Grand Lac Seirgel en sigle. Ces négociations commencées en 2012 vont faiblir quand le 7 novembre 2013, à l'issue d'une opération militaire dénommée Pomme Orange, le M23 va finalement battre en retraite. Les chefs de ces mouvements, Sultani Makenga avec au moins 300 de ses hommes, vont alors fuir en Ouganda avant de revenir en RDC en 2017. Entre 2017 et 2021, l'M23 va se réorganiser dans la forêt alors qu'on croyait ces mouvements être défaits de fond en comble. En octobre 2021, l'M23 va commencer des attaques sporadiques contre les positions des FARDC dans les territoires de Rutshuru. En mai 2022, ces mouvements choisissent finalement la voie des armes, manquant ainsi l'invitation du gouvernement pour des consultations à Nairobi. Dans la foulée, Kinshasa décide alors de les considérer comme un mouvement terroriste. Pendant ces temps, le M23 continue son offensive qui va aboutir le 13 juin 2022 par la prise à nouveau de Bunagana. Réagissant à cette prise, les autorités congolaises vont alors publiquement accuser le Rwanda d'agression. Dans le cadre de la recherche de la paix, des options diplomatiques et militaires vont ainsi être levées. C'est dans ces contextes qu'à l'initiative du président congolais João Lourenço, un mini-sommet va être organisé en juillet 2022 à Luanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ce mini-sommet va décider du retrait de l'armée rwandaise du sol congolais. Un autre sommet va réunir les chefs d'État du Kenya, de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. De ces résolutions, appelées des Nairobi, figure notamment la mise en place d'une force régionale pour mater toutes les forces négatives sous la direction de la RDC et sans la participation du Rwanda. Quelques mois après, cette force régionale de l'EAC tarde à être mise en place et entre-temps, la ville de Bunagana reste sous occupation du M23. 3 mois déjà depuis que la ville frontalière de Bunagana est sous occupation du mouvement terroriste M23. Au sein de la société civile, on s'en inquiète sérieusement. Nous disons que c'est une trahison. À Bunagana, pour le moment, le peuple se demande, est-ce qu'ils sont encore au Congo? Est-ce qu'ils appartiennent encore à l'Assemblée de la République démocratique du Congo ou tout simplement le gouvernement a lâché prise, les a abandonnés entre les mains des Rwandais? La vraie solution, une solution durable, c'est agir selon les devoirs régaliens de l'État congolais. Si l'État congolais était vraiment un État, doit organiser un assaut final pour chasser et les Rwandais jusque dans leur pays. Une situation inquiétante pour la nouvelle société civile congolaise. Son coordonnateur Jonas Tshombela appelle à une mobilisation de toute la population. Thank you.
se disant par ailleurs opposé à la mise en place de la force régionale, le coordonnateur de la NSCC appelle le président Félix Tshisekedi à consulter toutes les couches sociales et politiques afin de cimenter l'unité de la RDC. Pour rappel, c'est depuis le 13 juin que Bounagana est entre les mains du M23. D'après les cadres de concertation de la société civile, l'effectif des déplacés des affrontements entre Tekeiyaka au territoire de Kwamout est passé de 10 000 à 18 084 personnes dans la période allant du 20 août au 9 septembre dernier. Que se passe-t-il vraiment? Comment en est-on arrivé là? La gouverneure de Maindo, Merita Bola, revient sur les faits. Les couches sociales que nous avons entendues, sous réserve, parce qu'il n'y avait pas des Yaka, ici quand on est venu, donc on a trouvé que les Teke, et sous réserve bien sûr de ce que les Teke nous ont dit, c'était question que les Yaka sont venus faire les champs, ils ont acheté des terres, les autres sont loués, ils ont dit qu'ils ne vendaient pas des terres, ils les faisaient louer. Ils sont venus cultiver, œuvrer chez eux, et après un moment, ils se proclament non seulement chef du village, mais aussi chef coutumier. Il y avait un groupe de gens qui est entré, plus de 700 personnes, dans un des villages. On a même reçu le fils d'un chef de village. On a reçu 700 personnes, on se demandait pourquoi ces 700 personnes étaient là. Elles ont dit qu'elles étaient là pour une église. Dans la brousse, ils étaient là pour une église, l'église des Noirs. Alors nous, on a trouvé que ces gens-là étaient suspects. Parce que ces gens-là complotaient, parce qu'on suppose que ce sont ces gens-là qui étaient préparés depuis février pour venir nous attaquer maintenant. Au bilan, plusieurs morts, des naissances prématurées et une centaine de personnes amputées. Pour ce qui est des déplacés, une mobilisation a été faite du côté de provinces voisines, dont celle des Kwilu, qui en accueille nombreux. Par solidarité, nous avons voulu assister d'abord ceux qui sont ici et nous lançons aussi l'appel au gouvernement central de pouvoir emboîter les pas et les autres, comme de bonne foi, de venir assister, se déplacer. La patronne de l'exécutif promet de mettre tout en œuvre pour une prise en charge de tous ces déplacés. Lundi 13 septembre, c'est à 14h, heure locale, que le chef du gouvernement Samalou Kondé a foulé les sols de l'aéroport international de Bipemba Mbujimayi au Kasaï oriental. En mission officielle dans cette partie du pays, le Premier ministre a été accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales du Kasaï oriental. Au sorti de l'aéroport, c'est une foule immense qui l'attendait. Une mobilisation tous azimuts de la population. Des forces vives ainsi que des militants des partis politiques ont fait le déplacement de l'aéroport international de Bipemba pour réserver un accueil au Premier ministre. Sous une pluie, le Premier ministre s'est vu contraint de marcher jusqu'à la place de la Poste pour communier avec cette population. Dans son adresse tenue à la place de la Poste, Samalou Kondé a rassuré la volonté du gouvernement de matérialiser le projet de développement à la base des 145 territoires de la RDC. Nambujimayi, tout ça déjà dans le programme. Quoi, ils ont ça là, pour la maille. Tout ça dans le programme prise. Tout ça dans le gouvernement provincial. Auto-augmenter la capacité à maille de la population. Toujours ça, là, le programme d'Atile Gelou, pour la voirie urbaine. Toujours ça, là, ma Kamboya centrale, y a Tchala, y a Tchilenge, pour courant, et comme à Awa. Si qu'on y a, dans le territoire, paix, Tolingi, Tokanisabango. Programme, il y a 145 territoires, et toujours ça, là, ma Kambo, y a Kelasi, les autres, Makambo, il y a un centre de santé, il y a un bâtiment administratif, il y a Maï Napouan. Profitant de son séjour de travail en Mbujimayi, le chef du gouvernement a échangé tour à tour avec les élus nationaux et provinciaux du Kasaï oriental. À cette occasion, justement, le chef du gouvernement a promis d'activer la question de la relance de l'AMIBA. Nous avons parlé du problème de l'AMIBA pour la relance de cette société qui a constitué à un certain moment les poumons économiques de la province, qui aujourd'hui se retrouvent à l'arrêt. Après le Kasaï central, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est venu aussi palper du doigt la réalité de la province du Kasaï oriental.
Plus que 48 heures avant l'ouverture de la session de septembre, session essentiellement budgétaire. Et attendu au cours de cette session, les dépôts du projet de budget 2023 au Parlement par le gouvernement Sama. Estimé à plus de 13 milliards de dollars américains, le budget 2023, pas encore déposé et débattu au Parlement, fait déjà parler de lui. Le budget de 2023, qui est à peine en dessous de 15 milliards de dollars, est sensiblement réalisable si nous sommes disciplinés. Et ce n'est pas compliqué. Je vous dis, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que le budget de la République démocratique du Congo, pour qu'il atteigne une masse critique acceptable, c'est 40 milliards de dollars. En dessous de ça, ce sera toujours très difficile pour nous de pouvoir donner des services publics sur toute la République et sur toute la population. Maintenant, il y a des conditions pour qu'on y arrive. Il faut qu'on poursuive le travail de l'IGF et aujourd'hui des autres organes de lutte contre la corruption. Ça sous-entend qu'en fait, il faut qu'on surveille la gestion. Mais il y a une condition sine qua non. C'est il faut absolument informatiser complètement la gestion de l'État. Si on informatise complètement la gestion de l'État, on ne va pas avoir 15 milliards de dollars de budget l'année prochaine, on en aura 30. Pour ce qui est du social des Congolais, il faut que chacun mette la main à la pâte. Le social des gens va s'améliorer lorsqu'ils vont travailler. Il faut dire la vérité. La seule vérité aux Congolais, c'est que la seule chose qui a franchi la pauvreté, c'est le travail. Il faut travailler. Il faut travailler formellement. Voilà la chose qui construit un pays fort. Voilà la chose qui rend un pays compétitif. Pour rappel, dans sa communication au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait recommandé que le budget 2023 qui sera présenté au Parlement soit significativement axé sur la programmation de dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux, basés notamment la santé, l'éducation, le développement rural, ainsi que dans les secteurs des infrastructures d'intégration nationale. Il est 14h lorsque la ministre de Mines arrive à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. La patronne de Mines a saisi cette opportunité pour révéler l'objet de sa tournée, qui du reste s'articule autour de l'installation des animateurs des organismes spécialisés au sujet de la dotation des 0,3%. Une fois dans la salle, plusieurs interventions ont eu lieu. D'abord, celle de M. le ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a souhaité la bienvenue à ses hôtes au nom de la gouverneure. Ensuite, c'est la directrice générale des Fonds nationaux de promotion et de services sociaux, représentant le ministre des Affaires sociales, humanitaires et solidarité nationale. Dans son mot, Mirimo Kabetsi Alice a salué cette initiative si bénéfique pour les communautés locales. Enfin, la ministre de Mines a exprimé sa gratitude à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ce projet auquel tient mordicus le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, tout en s'appuyant sur des textes légaux et en interpellant les animateurs de ces organismes spécialisés. Les questions liées à l'amélioration des conditions de vie pour nos populations préoccupent au plus haut point le premier citoyen de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui n'a eu de cesse d'impulser l'action du gouvernement à travers le ministère en charge des mines et des affaires sociales, considérant par ses faits le processus vert, le bien-être comme un défi permanent. Pour rappel, dans le Lualaba, l'on a d'abord installé les animateurs des organismes spécialisés dans 6 entreprises, à savoir 6 communes, Comus, Moumi, Kamoa, KCC, TFM. Notons qu'il s'agit ici de la première vague, l'installation de la deuxième vague interviendra dans un mois. Il faudrait signaler que chaque entreprise a un organisme spécialisé composé de 12 membres issus des différentes composantes. L'on a compté des délégués de la communauté, des délégués des organisations communautaires de base, des délégués de l'entreprise concernée, des délégués de l'autorité administrative locale, des délégués du fonds de promotion et des services sociaux, des délégués de la direction de la protection de l'environnement minier. Donc, chaque composante fournit 2 animateurs, ce qui fait au total 12 membres. Nous sommes à Melun, une commune française située dans les départements des Saintes-et-Marne. Ses enfants chantent,
à l'honneur du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, dont les noms est dorénavant associé au lycée français de cette ville. Le désormais groupe scolaire Denis Mukwege a été inauguré ce mardi 13 septembre. Dans son mot, l'homme qui répare les femmes a insisté sur l'éducation comme droit mère pour tout un chacun. Pour lui, en baptisant ces groupes scolaires de son nom, les responsables manifestent leur choix de se mobiliser contre les violences faites aux femmes et contre les inégalités femmes et hommes. Le docteur Denis Mukwege est considéré comme citoyen d'honneur de la ville de Melun. Une mention de soutien avait été votée à l'unanimité au conseil local engageant les élus, personnalités diverses en France à soutenir Denis Mukwege à l'occasion de la projection du film « L'homme qui réparait les femmes, la colère d'Hippocrate ». Un portrait du prix Nobel de la paix 2018 est d'ailleurs affiché dans cette commune de Saint-Émarne. Le secrétaire national en charge de la jeunesse du parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, a initié ce lundi 12 septembre une série de consultations exclusives avec les différentes structures en charge de l'encadrement de la jeunesse de cette formation politique. Pour ses premiers jours, Serge Bahati s'est entretenu avec le représentant de la Ligue de jeunes de la FDC, Fédération Kinshasa, représentant des quatre districts de la capitale dont Lukunga, Funa, Changu ainsi que le Mwamba. Convié en ses lancements, le secrétaire général de ce parti a tenu à encourager Serge Bahati et a promis son soutien. On sent un sentiment de fierté d'abord, d'honneur que nous fait notre jeunesse du parti. Ça nous montre que le parti est en train d'avancer vers l'eau profonde. Nous vous avons toujours dit que l'Afrique est une machine qui tourne. Et tous les départements sont opérationnels sur terrain. Ça, c'est un des départements qui a la jeunesse. Comme tu le sais, dans ce pays du Congo, et même partout ailleurs, quand vous n'avez pas la maîtrise de votre jeunesse, vous n'avez pas la maîtrise du moment, rien ne peut avancer. Pour sa part, le président de la Ligue des jeunes a demandé aux participants de travailler sans complaisance en vue de donner des propositions adéquates. Vous savez que notre candidat aux élections qui approche, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a été présenté par notre autorité morale, le président du Sénat, l'autorité morale Modeste Bati Lukwebo. Et donc, si aujourd'hui ces consultations sont lancées, c'est dans le sens de réunir tous les jeunes, de les fédérer afin que notre candidat puisse être élu massivement. Du côté des consultés, on se félicite d'avoir eu des échanges fructueux. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'autorité morale, pour remercier le président national de la Ligue des jeunes, pour remercier le secrétaire national d'avoir pensé à cette initiative très louable qui est la consultation des jeunes. Nous avons bien échangé et c'était fantastique. A noter que durant 3 jours, soit du 12 au 14 septembre prochain, Serge Bahati va poursuivre ses échanges, notamment avec les différentes structures de jeunes de ses partis politiques, de la société civile, mais aussi des mouvements et organisations non gouvernementales affiliés au parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Les élections et la sécurité en République démocratique du Congo, deux sujets qui étaient au cœur des échanges ce lundi 12 septembre entre l'opposition républicaine DIPRO, dynamique progressiste révolutionnaire, avec la délégation de confession religieuse, membre de la commission d'intégrité et médiation électorale, Simeon Sigle. Sur terrain, dans le cadre de consultations des organisations politiques et la société, les membres de la CIME sont venus à la rencontre de la DIPRO pour obtenir des propositions sur la situation sociopolitique du pays et principalement sur le processus électoral. Nous n'avons pas à prendre des résolutions, mais c'est plutôt aller ensemble, discuter ensemble pour que nous puissions avoir des idées qui puissent nous aider. Nous sommes une commission d'intégrité et de médiation. Nous n'avons pas une décision personnelle à prendre, mais c'est plutôt voir, discuter avec les uns et les autres pour que nous puissions converger ensemble pour pouvoir connaître qu'est-ce qu'il y a de nécessaire sur la paix et les élections dans notre pays.
Constant Moutamba, président de l'EDIPRO, qui a salué l'initiative de bons offices offerte par la CIMI, a également donné ses recommandations pour des élections apaisées, crédibles et transparentes. Le président de la CENI devrait désormais, chaque mois, se présenter devant les différentes forces vives de la nation, sociales et politiques, à travers des conférences de presse, pour faire l'état de l'avancement du processus électoral. Quel fonds a été décaissé par le gouvernement de la République et quelle en a été la destination? Après la DIPRO, la CIMI entend rencontrer d'autres forces vives de la nation, les tout pour parvenir principalement aux élections crédibles, mais surtout inclusives. L'opération Zéro Épave, initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, est effective dans la commune de Limiti. Cette opération est initiée en vue d'épargner à la population des embouteillages, l'insécurité et l'insalubrité dans les acteurs principaux. C'est le bourgmestre de cette commune, Douglas Nkoulou, qui a conduit l'équipe descendue sur terrain ce mardi 13 septembre. L'opération qu'on appelle Zéro Épave, ce n'est pas seulement les épaves. La route. Comme là-bas, on a trouvé tout un salon abandonné là-bas. Tout ça, c'est comme des épaves qu'on abandonne sur la route. Donc, l'opération va durer, si ça doit durer 5 ans, ça va durer 5 ans. Si moi, je dois partir demain, l'opération va continuer. Ceux qui habitent ici peuvent vous dire qu'il y a un changement. Ceux qui habitent Yolo ou bien qui habitent Mombele peuvent déjà vous dire il y a un changement, mais nous sommes amis partout. On n'a pas encore. L'équipe de la salubrité de la maison communale de Limité promet de poursuivre ses travaux pour dégager les immondices sur les différents artères. William Ruto est désormais le cinquième président de la République du Kenya. Il a prêté serment ce mardi 13 septembre au stade Kasarani en Nairobi en présence des quelques chefs d'État africains dont le président congolais Félix Tshisekedi. Âgé de 55 ans, William Ruto a été élu vainqueur de la présidentielle au Kenya avec 50,49% de voix selon la commission électorale contre 48,85% pour son adversaire Raila Odinga qui a qualifié le scrutin de parodie. Issu d'une famille pauvre, William Ruto est un homme ambitieux qui a pu gravir les échelons dans la vie et dans la classe politique kényane. Il a fait son entrée en politique en 1992 au sein du parti politique Africa National Union. William Ruto est ensuite nommé député de la circonscription d'Eldoré Nord en 1997. Il est nommé vice-ministre de l'Intérieur puis ministre de l'Agriculture. Le cinquième président du Kenya est aussi reconnu comme un homme d'affaires. Il détient une grande entreprise de volailles, un des piliers de sa fortune. Il est également présent dans le domaine de l'hôtellerie. Qu'est-ce dire alors de l'avenir des relations entre la RDC et les Kenyans avec l'avènement de ce nouveau régime? Pour la petite histoire, on sait déjà que les deux pays ont toujours entretenu de bonnes relations bilatérales depuis plusieurs années. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, les relations se sont solidifiées avec l'ancien président Uhuru Kenyatta où des accords ont été signés pour consolider et booster la coopération économique aussi militaire. Selon une certaine opinion, les relations entre le pays de Lumumba et de Jomo Kenyatta ont tout intérêt pour sauvegarder leurs excellentes relations. Ce, en dépit du fait que lorsqu'il était vice-président, William Ruto avait émis des critiques très sévères contre les Congolais, les qualifiant de non-travailleurs et des jouisseurs. Et depuis 2016, la date du 13 septembre a été décrétée Journée internationale contre la septicémie. Une journée décrétée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, contre cette maladie.
Une maladie définie comme une réponse inappropriée de l'organisme humain face à un flux de microbes qui envahit le corps dont les organes finissent par connaître un dysfonctionnement. Selon les statistiques de l'OMS, près de 50 millions de personnes souffrent de la septicémie avec un taux de mortalité d'environ 25, équivalent à 6 000 décès dans le monde. Le 13 septembre est ainsi décrété tel pour sensibiliser la population mondiale sur cette question de la santé, ainsi sujet majeur de la santé publique. En RDC, par rapport aux chiffres, le taux de mortalité est de l'ordre de 40%, taux dû essentiellement au manque de moyens financiers et de l'absence d'une bonne prise en charge codifiée. Selon l'OMS, la septicémie est une maladie guérissable selon un mode de traitement lié à l'administration d'antibiotiques et à la pratique de la bonne hygiène. Plus que 9 jours avant les matchs allés entre les Antilopes Walia de l'Éthiopie des moins de 23 ans et les Léopards de la RDC de cette catégorie. Match inscrit pour les éliminatoires de la CAN de cette catégorie d'âge est prévu le jeudi 22 septembre prochain à Addis Abeba. En attendant l'acte de cette explication fixé 5 jours plus tard à Kinshasa. Regroupé au village Venus à Bibwa, Kinshasa, dans la commune de Maluku, les Fauves congolais ont effectué lundi leur première séance d'entraînement. Aux commandes de cette séance, Papi Kimoto Kitankoy, l'adjoint de Raoul Chungu, coach principal, en déplacement avec Vekleb à la Ligue des Champions de la CAF. Entre ses mains, Kimoto a réuni 15 joueurs sur les 25 convoqués. Pour une première adresse, il fixe les joueurs sur les objectifs poursuivis. Le travail d'aujourd'hui, c'était juste la prise de contact avec les joueurs et puis travailler sur la capacité d'endurance, voir ce que les joueurs ont sur leur trip. On sait très bien que tous les joueurs sortent d'une préparation physique dans leur club et on voulait avoir une idée sur ça. Aussi on a que demain matin, on va faire encore le test physique pour savoir réellement leur niveau, leur capacité est maximale. On est content qu'on a commencé déjà quelque part parce que les échéances arrivent à grands pas. Donc on est à moins de 10 jours, donc il faut déjà commencer quelque part. Le message passé est bien compris aux joueurs de bien mouiller les maillots pour y arriver. En témoigne le propos de Roli Batumbi au nom de ses coéquipiers. Ça a été une très belle séance. Je pense que nous sommes bien. Nous faisons confiance au staff technique pour ramener cette qualification. C'est l'objectif de ramener cette qualification. Donc nous sommes là, les joueurs, nous sommes prêts à engager à 100% pour mouiller notre maillot. Aux Léopards de bien affûter leurs armes, question d'assurer leur qualification à partir d'Addis Abeba. C'en est fini pour cette session d'information. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur notre antenne.